Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Docs. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation comment réaliser une table des matières et aussi utiliser le mode plan dans un document long. Donc ici, j'ai un document vierge et je vais commencer tout simplement à créer mon document. Donc par exemple, je souhaite ici mettre le titre chapitre 1. Donc voilà, j'ai un chapitre 1 que je vais pouvoir donc nommer comme j'ai envie, hein. Et j'aimerais que, tout simplement, quand je vais réaliser une table des matières, eh bien, qu'il me dit chapitre 1 se trouve à telle page, chapitre 2, chapitre 3, et peut-être éventuellement les sous-chapitres, etc. Donc pour cela, c'est très simple. Nous allons utiliser ce qu'on appelle les styles. Donc ici, vous voyez que je suis en écriture normale, c'est du texte normal. Et pour lui dire que le chapitre 1 est un titre, eh bien, je vais cliquer ici sur la liste, et vous voyez qu'ici, je trouve le titre, ça c'est le titre du document, le sous-titre qui se place juste en dessous du document. Et vous voyez, il y a ce qu'on appelle les titres de niveau, donc les titres de niveau 1, 2, 3, 4, etc. Alors pour l'instant, je n'ai pas fait une mise en forme pour mon titre de niveau 1. Alors ce que je peux faire, je vais tout simplement mettre ici en gras mon titre, changer la police et lui mettre ici par exemple 18. Et puis, je vais mettre tout simplement, voilà, un petit signe. Et vous voyez que je suis toujours en normal. C'est pas parce que j'ai changé la mise en forme que ça devient un titre. Le seul moment où ça devient un titre, c'est quand je vais cliquer ici sur les styles et que je vais lui dire c'est un titre 1. Et je ne vais pas appliquer le titre 1. Je vais, par exemple, utiliser mettre à jour titre 1 en fonction de la sélection. Ce qui va me permettre de prendre ici, voilà, le titre 1 comme ceci. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir mettre entrée. Je vais pouvoir entrer du texte. Donc, texte à insérer. Ici, voilà. Et puis, je vais peut-être mettre un sous-titre. Dans le sens sous-titre, en disant que c'est un titre de niveau 2. Alors là, pareil, je vais marquer ici titre de niveau 2, par exemple. Titre de niveau 2. Et je vais reproduire comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais faire un peu différemment. Voilà, je vais le mettre en couleur. Donc, je vais choisir une couleur, par exemple, ce rouge. Le mettre en gras, en italique. Voilà. Et je vais dire, ici, c'est un titre de niveau 2. Et vous voyez, appliquer, non, mettre à jour, titre de niveau 2. En fonction de la sélection. Et ce qui va me permettre de voir, les titres de niveau 1 ont telle mise en forme, les titres de niveau 2 ont telle mise en forme. Et là, pareil, je fais, donc je suis à la fin, je fais entrer, vous voyez, mon curseur redevient noir et redevient donc écriture normale. Et là, je vais pouvoir écrire, donc écrire le texte que je souhaite. Une fois que, imaginons, j'ai terminé la première page, ou le chapitre 1, titre de niveau 2, je veux insérer donc un saut de page, insertion, et vous avez ici saut, et vous voyez saut de page. Alors les sauts de page ne se voient pas, comme vous pouvez voir. Si je souhaite voir les sauts de page, les espaces, ou tout ce genre de choses, il faut aller dans affichage, et dans affichage, vous avez ici, vous voyez, afficher les caractères non imprimables. Ce qui me permet de voir ici que j'ai mis un saut de page et les repérer comme ça. Je descends. Alors je vais l'enlever tout simplement pour ne pas que ça gêne. Donc je retourne dans affichage et je peux décocher. Et maintenant je vais mettre ici, c'est le chapitre 2. Chapitre 2. Et le chapitre 2, eh bien très facile, j'ai juste à mettre ici et lui dire que c'est un titre, et je vais appliquer le style 1. Et vous voyez qu'automatiquement, il a repris la mise en forme que j'avais fait tout à l'heure sur le premier titre. Donc, il va le conserver. Et comme ça, je vais marquer ici du texte. Donc, paragraphe 1. Voilà. Paragraphe 2. Alors, j'ai mis un A. Et je corrige. Et je pourrais mettre, donc, ici,
partie annexe du chapitre 2. Et je vais dire que c'est tout simplement ici un titre de niveau 2 et je peux appliquer le style. Alors si ça va pas, comme vous pouvez voir en disant oui mais c'est un peu petit, j'ai pas pensé à le monter, eh bien je vais le modifier. Je vais passer en 14 et pour que ça prenne à jour, eh bien tout simplement mettre à jour le titre 2 en fonction de la sélection. Et dorénavant, quand je remonte, vous voyez qu'ici, je suis passé d'un niveau 11 à un niveau 14 de taille de police. J'ai mis à jour. Et je fais comme ça tout mon document, donc long, que ce soit 50, 600 pages, avec des chapitres de niveau, donc des titres de niveau 1, 2, 3. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser dans affichage, et vous avez ici afficher le plan. Donc je clique sur afficher le plan, et voyez ici sur le côté, j'ai plan, et j'ai chapitre 1, titre de niveau 2, chapitre 2, partie annexe du chapitre 2. Et si, ici, vous voyez, je suis sur le chapitre 2, je vais même descendre pour qu'on le voit bien, je suis bien sur chapitre 2, et bien si je clique sur chapitre 1, je vais directement sur le chapitre 1. Si je clique sur chapitre 2, je vais directement sur le chapitre 2, et partie annexe du chapitre 2, et mon curseur se déplace. Et je peux comme ça me déplacer dans mon document. Donc voilà à quoi sert ici, dans affichage, le plan qui va me permettre de me déplacer par rapport au titre que j'ai mis. Et les titres ont été mis tout simplement ici grâce au style. Titre de niveau 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais peut-être vouloir insérer une table des matières. Donc pour insérer une table des matières, eh bien tout simplement, je vais ici faire insertion. Et je vais faire à nouveau un saut pour avoir ma table des matières, imaginons ici sur la première page. Et je vais remettre en normal. Pour insérer la table des matières, eh bien je retourne dans le menu insertion. Je vais chercher table des matières qui se trouve tout en bas. Et ici, vous voyez, j'ai le choix table des matières en texte brut. Et je peux avoir table des matières avec des points de site, pointillés, ou bien sous forme de lien. Donc si j'ai envie de faire avec des systèmes de pointillés avec le numéro de page, je clique dessus et vous voyez comme ça, j'ai chapitre 1, page 2, chapitre 2, page 3. Je viens donc de terminer la partie 2. Je fais entrer. Je rentre encore du texte ici. Et ben, je vais maintenant faire. Donc j'ai terminé mon chapitre 2. J'insère à nouveau, grâce au menu insertion, un saut de page. Et je vais mettre tout simplement nouveau chapitre 3. Et pareil, je vais tout simplement ici choisir dans les styles et dire que c'est un style, le titre de niveau 1. Par contre, si je retourne tout au début, vous voyez que je vois le chapitre 1 avec le titre de niveau 2, le chapitre 2 avec partie annexe du chapitre 2, je ne vois pas le 3. Si je clique dessus, vous voyez que ici, j'ai directement mis à jour la table des matières. Je clique dessus et vous voyez que maintenant le chapitre 3 est bien apparu avec la page. Ce qui est quand même assez intéressant de pouvoir faire son document et au fur et à mesure rajouter des pages, rajouter des chapitres, les voir dans son plan pour pouvoir se déplacer et la table des matières, bien penser à la mettre à jour afin d'avoir les dernières modifications. Autre chose aussi, il y a possibilité ici, donc vous voyez qu'il y a un lien, je peux copier le lien, modifier le lien, supprimer le lien. Mais à côté ici de mettre à jour la table des matières, il y a trois petits points. Et si je clique, je peux supprimer la table des matières. Mais j'ai aussi autre option. Et dans autre option, bon, je pourrais tout simplement enlever les points de suite, mettre les points de suite, mettre que des liens. Je peux ici afficher les numéros de page ou pas. Mettre des points de suite. Et
choisir le style de point de suite pour la table des matières. Pareil, ici vous voyez titre dans le document, donc je vais de 1 à 6 et je vais pouvoir choisir le retrait, 0 mm de retrait, 6,35 mm de retrait par rapport au titre de niveau 1. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Docs.